Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast « Naître princesse, devenir guerrière ». Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Et voilà, 1er septembre, le temps est automnal, il drache comme on dit en Belgique, la rentrée est bel et bien entamée avec ce sentiment de tournis parfois, avec tous les projets qui nous projettent déjà en 2024. Je me fais quand même une réflexion sur le temps qui passe, le temps qui fonce, le temps qui nous échappe. Je disais dans ma newsletter que plus on vieillissait, plus on avait l'impression que le temps nous échappait. Je me vois encore faire la liste de toutes mes envies au début de l'été, tous mes engagements aussi, et bloups, une impression d'avoir cligné des yeux une seule fois, et nous voilà déjà en septembre avec un paquet d'envies non cochées sur la liste. Il y a tellement d'articles sur le stress de la rentrée, et chaque année je me sens pas spécialement concernée, mais cette année oui. Le nouveau rythme et la nouvelle cadence sont à trouver, et je me dis que c'est ok de pas arriver à trouver son rythme tout de suite et d'être un petit peu angoissée par tous ces projets qui nous amènent déjà à 2024. Et franchement, il y en a plein qui sont passionnants, il y aura beaucoup d'experts à mon micro, un peu moins de patients jusque décembre, et des sujets qui nous concernent tous. Alors ce mercredi, c'est justement le cas, un sujet qui nous concerne vraiment tous. Je crée un peu de teasing et je suis désolée. Casse-pieds Delphine, est-ce qu'elle peut au moins nous dire de quoi ça parle? Nope, pas dans ce petit teasing du dimanche. Ce sujet nous concerne tous. Nous, nos enfants, nos petits-enfants, et c'est seulement si tout le monde s'y met qu'on arrivera à éradiquer ce problème. Je suis de nature un peu impatiente, alors je déteste les teasings, mais voilà, je vous fais attendre jusque... Ah, peut-être pas jusque mardi, il y aura déjà un post sur Instagram avant. Je me réjouis de vous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ce mercredi, et pour cette troisième saison de Naître princesse, devenir guerrière, et puis pour tous ceux et celles qui ont aussi un peu de mal à se remettre en route et à trouver leur rythme, eh bien, vous n'êtes pas seul et parfois ça fait juste du bien de l'entendre et de le savoir. Un jour à la fois, comme dans toutes les circonstances de la vie, je vous embrasse bien fort et je me réjouis de vous retrouver mercredi.